Et oui, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir. On devrait revenir sur ce match depuis, mais on a pris beaucoup de temps et on n'a pas digéré cette défaite de Coton FC, le champion du Bénin en Ligue des Champions. Ça fait 3 fois de suite que Coton est en train de trébucher et ça nous a fait très très mal. Et ouais, les dirigeants de Coton doivent situer les responsabilités où ça creuse. 3 ans que Coton n'arrive pas à franchir le premier tour. De l'autre côté, Dadjé a franchi bien sûr le premier tour pour la Coupe des Confédérations et Dadjé devra bien sûr rencontrer cette équipe de la Renaissance Club bien sûr de Berkane. Et ouais. Et Coton, bon, on a suivi le match. C'est vrai qu'en première partie, ça n'a pas été. C'est à partir de la deuxième partie que ça a véritablement pris. Après l'entrée, bien sûr, de Corso, ce Guinéen, c'est un Guinéen. D'aucuns pensaient que c'était un Béninois, Corso. Maintenant, bon, on n'a pas compris certains choix de l'entraîneur Vitos Vinca. Corso devrait finir. Bon, au match aller, il a mis Corso en avançant. Ce qu'on n'a pas compris d'ailleurs. Deuxième match, il le met sur le banc et le fait entrer et le laisse entrer jusqu'à la fin. Il pouvait déplacer Corso et le mettre en numéro 10. Et pour que Corso, il a une bonne patte, il s'est donné de bonnes balles, il s'est bien sûr déplacé, il s'est marqué aussi. Donc il devrait le mettre dans de très très bonnes conditions. Bon, peut-être qu'il a voulu le mettre comme est centré. Mais à domicile, il faut prendre des risques. Vous voyez, cette équipe de l'AS Douane s'est qualifiée et ce que beaucoup de Béninois ne pensaient pas. En tout cas, on se disait que le but égalisé, ils vont jouer, bien sûr, la séance de tir au but directement parce qu'il n'y a plus de prolongation, tout ça là. Mais après avoir égalisé le but à un partout, Coton est éliminé à cause du but à l'extérieur. Cette loi qui a déjà changé en Europe, ça n'a pas encore été le cas ici. Ce n'est pas encore le cas en Afrique. Bon, tout le monde festoyait déjà quand Coton a marqué, mais ça n'a pas été. Coton est éliminé. Coton est éliminé. Les Béninois sont fâchés. Beaucoup ont commencé par crier. Bon, on a vu aussi le départ de Vitos Vinca. Il a été conduit sous escorte. Sinon, les Béninois étaient fous furieux. Parce que voir son équipe perdre comme ça à domicile, c'est pas du tout bien. Et en tout cas, il va falloir situer les responsabilités. Vitos Vinca a déjà prolongé son contrat. Même si on l'arrête maintenant, Coton devra payer bien sûr les indemnités de licenciement et tout. Vitos Vinca, c'est celui qui va commencer. Parce que la nouvelle saison a été déjà lancé. Le championnat reprend le 15 septembre, pratiquement dans 2 semaines. Le 15 septembre, ils vont lancer et après, ça va continuer. Oui, c'est un peu ça. Donc, je tenais à réagir, je tenais à partager mon avis avec vous. Vous avez demandé le direct, on était en direct, personne n'est arrivé. Oui, personne n'est arrivé en direct. C'est pas du tout bien. Désormais, il faut qu'on fasse les choses très très bien sur la chaîne ici parce que c'est une chaîne qui nous tient véritablement à cœur. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez. Ciao.